Éviction de texte pour Jean-Luc Reichmann, la sanction est allée un petit peu loin. Le renvoi de texte ne cesse de faire des remous dans le milieu des médias. Entre ceux qui défendent la décision de France Télévisions et ceux qui dénoncent une atteinte à la liberté d'expression, Jean-Luc Reichmann a lui aussi pris position. Invité dans Village Média ce mercredi, l'animateur des 12 coups de midi a défendu son confrère, jugeant son limogeage un petit peu exagéré. On est un peu tributaire du ragot et de cette surenchère permanente où il faut quand même que l'on existe. Tex, on le connaît. C'est ce Tex, il a dépassé les limites, il est comme ça, a assuré Jean-Luc Reichmann, jugeant toutefois sa blague de très, très mauvais goût. Le présentateur de TF1 appelle à arrêter d'écouter tout ce qui se passe, à continuer à rire et avoir un peu d'inconscience et d'insouciance, ça nous ferait du bien, a-t-il assuré. L'ancien présentateur des Amours conclut Tex est un humoriste à la base, il fait du stand-up, n'oublions pas qui il est. Il, la direction de France Télévisions, ND et LR. Savait pertinemment qui il prenait. Un choix dont il ne semble plus vouloir aujourd'hui.